Salut, bienvenue sur la chaîne de Slaïgra. Seul petit enfant, putain. Et écoutez bien, vous aurez le... La dure... Allô Stéphane. Oui, allô. Ouais, bonsoir, comment vas-tu? Qui est à l'appareil? Bah, je me présente, je m'appelle Michel et je t'appelle là parce que je suis un petit peu... là, je suis un petit peu en galère là. J'ai un pote à moi, en fait, son anniversaire ce week-end. Et j'ai pas de cadeau à lui faire, tu vois. Donc, avec des potes, on pensait à chercher une stripteaseuse ou un stripteaseur. Donc, je pensais à toi ou à ta femme. Savoir si tu voulais pas contribuer. Ça pourrait faire... Je pense que vous vous trompez de numéro. Bah non, c'est bien Stéphane. Stéphane comment? Bah toi, c'est avec toi que je voulais parler, on se connaît pas encore, tu vois. Justement, on aurait pu faire connaissance, ça aurait pu être sympa, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, bah je pense qu'on va s'en arrêter là. Genre tu me présentes ta femme, elle nous fait un petit striptease, et puis bah si ça se passe bien pour la remercier, je lui fais l'amour. Non, je pense que ça ira. Bah, allez, vas-y Stéphane, sois un peu cool. Non, c'est bon pour moi. Tu veux pas toi faire un petit striptease? Bon bah écoute, c'est bien parce que pour le moment t'es à ton niveau de base. Bon, la méthode n'a pas fonctionné, c'était gentil pour Romano, Cédric. Je t'adresse mes félicitations. Bah merci. Pas pour le coup de fil, mais pour ta gentillesse. Ouais bah oui, attends, moi je suis un mec généreux gros. Oui, Romano. Il faut voter Romano. C'est parti pour toi. Jean-Claude. Allez Jean-Claude. Donc là c'est ta méthode de l'anniversaire, c'est ça hein? Exact. Mais le tien à toi hein. Bah ouais, parce que c'est le bien, ouais. Ouais. Bah oui, je sais, ouais, tu vas avoir 53 ans. Non, 21. Ah, tu vas encore avoir 21 ans. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est dingue ça. Bon, on laisse tomber Jean-Claude, on y va. Je redouble mes 21 ans. Non, Jean-Claude, il allô, Jean-Claude. Oui. Ouais, bonsoir, comment vas-tu? Ouais, c'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil, un copain de ta femme, elle est là, la belle? Ouais, elle est en haut, ouais. Ah, elle est en haut, bah écoute, laisse-la en haut. Parce qu'en fait, je t'explique, là, demain c'est mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, j'aurais bien fait l'amour. Donc je vais venir dans 5 minutes et puis bon, je vais la culbuter en haut. Qu'est-ce que je fais de... Culbuter en haut. Ça te gêne pas? Que je vienne dans les 5 minutes là. M'occuper un peu d'elle. Hein? Attends une minute, hein. Je peux venir? T'es en train de te branler ou quoi? Vous allez me demander. Jean-Claude. Ouais, je peux venir vous faire l'amour à tous les deux parce que je sens que t'as envie aussi, toi. Ouais, c'est sûr que j'ai envie, ouais. Ah, bah, ça m'étonne pas que t'aies envie. Le chien aussi. Ah, mais il y a un chien derrière. Bon, bah, lui. Est-ce que le chien, il veut? Il a envie aussi ou pas? Ouais, elle demande que ça, ouais. Ah, bah, elle demande que ça. Bon, bah, très bien. Bon, écoute, j'arrive dans 5 minutes. Et puis, je vous attrape tous les trois. Ta femme, toi et le chien. Ouais, c'est ça. Eh, bah, écoute, tu prépares les capotes? N'importe quoi. Eh bah oui, mais n'importe quoi, tu vas voir. Ah non, faut toujours mettre des capotes, Jean-Claude. Hein. Tu vas voir ce que tu vas prendre ce soir, mon Jean-Claude. Toujours. Alors c'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil. Bah, écoute... Jean-Louis, je connais pas Jean-Louis. Bah Jean-Louis David, tu connais pas? Non. Non, c'est bizarre. T'as jamais entendu parler? Non. Ta femme t'en a pas parlé parce que régulièrement je la vois, moi. Hein. Ouais. Elle prend son pied avec moi, grave. Hein. Ouais, c'est sûr, ouais. Bon bah écoute, je vais te montrer ce soir. Ouais, ok. Bon bah j'arrive dans 5 minutes. A tout de suite, mon Jean-Claude. Gros bisous sur ta queue. Oh. A tout de suite. Oh. Gros bisous sur ta queue. Je vais culbuter, on nous dit toujours la super classe, ce Romano. Ouais, bah la super classe qui sert. Quel lover ce Romano pour Romuald. Le pro du vocabulaire, respect, nous dit Smokalot. Ouais, ah bah attends, il faut de la nouveauté. Hein. Eh bah, bon, on a passé les premiers appels. Le premier pour Cédric, le premier pour Romano. La fortune a été un peu différente pour chacun des deux comme c'est protagonistes. Bon, on va passer à la deuxième méthode. Oh, attention, j'ai rajouté une contrainte aujourd'hui. Changement de méthode. Attends. Changement de méthode, ouais. C'est quoi la méthode? Alors, changement de méthode. Je vais faire la méthode Wi-Fi. La méthode Wi-Fi, c'est la soirée où tout le monde s'enfile. Petit jeu de mots, Wi-Fi, sans fil. J'ai pas compris. Ah, Wi-Fi sans fil. Ah, Wi-Fi. Ouais. Ok, Cédric. Bah ouais. Et donc... Ouais, c'est original. J'hésite entre être mal à l'aise et entre tu allais la chercher. Toi, tu nous fais des blagues à la Laurent Ruquier sur la 2. Ah bah, en plus, c'est une méthode que vous m'envoyez par mail. Gros, mais Romano, quelle est ta méthode? Moi, c'est la concours. Moi, c'est la méthode. Demain, j'ai un concours d'athlétisme, soit en hauteur, et ce soir, il faut que je m'entraîne à sauter. D'accord. Et voilà, et bim, et comme ça, clash. C'est pas avec moi, j'ai un jeu de mots. Alors, Cédric... Ah bah on y va, c'est parti. Allez, vas-y. Alors attends, moi je prépare direct ma troisième. Je vais la troisième, moi. J'aurai de mes petites archives. Il y a une contrainte aujourd'hui, ils doivent changer de méthode à chaque coup de fil. Putain, tu mets trois méthodes. Là, j'ai foutu la pression ce soir. Ah ouais, j'ai remarqué. Il y a la pression. Cédric, attends. Allô? Allô? Ouais, bonsoir. Oui. Bruno, il est là? C'est à quel sujet? Bah c'est Michel, j'organise une petite soirée Wi-Fi là, et je voulais pas voir ça avec lui.
Pardon ? J'organise une petite soirée là et je voulais voir avec lui, avec, directement avec lui. Tu peux le passer ? Prépare les trompettes. Oui. Allô ? Allô Bruno ? Oui ? Ouais Bruno, comment vas-tu ? C'est Michel. Michel ? Ouais, on se connaît pas encore. Je t'appelle là parce que je vais organiser une petite soirée là, une première en France. Je voulais faire la soirée Wi-Fi, la soirée où tout le monde s'enfile, si tu vois ce que je veux dire. Et je voulais savoir si toi ou ta femme, elle voulait pas venir participer à ma petite soirée un peu sexy. Allô ? Les gens n'ont pas d'humour, Cédric, vraiment. Vraiment. Je suis alors, c'est toi qui as l'humour peut-être un peu particulier pour les familles. Parce que c'était pas mal. C'est quoi cette technique qu'on nous demande? C'est la technique de Cédric. T'as le vieux jeu de mots et tout. Attends, le jeu de mots que tu vas faire. Alors, Romano. Gros, déjà, j'ai serré une fois, t'as rien fait. En hauteur, super. Allez. Bon, deuxième coup de fil. En hauteur ou en longueur Rappelle ta méthode. Moi, je suis athlète. Athlète, oui. Et demain, j'ai un concours, il faut que je m'entraîne à sauter parce que demain, j'ai l'épreuve de saut. Et tu veux sauter qui? Oh, les deux, moi. Allô, c'est qui? Philippe. Exactement, 03. Allô Philippe. Allô Philippe. Oui. Oui, bonsoir, comment tu vas? Ça va? C'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil. Un copain de ta femme. Je connais pas. Tu connais pas? Elle t'a jamais parlé de moi. Allô Philippe. Oh mon Philippe. Pauvre Romano. Philippe. Elle est là. Il est plus là. Alors ma gueule. Écoute, attends. J'ai envie de te dire. Non mais là, bon, il était mal comprenant. Oh super. Troisième tour. C'est dommage parce que ces deux méthodes si originales, vous pouvez les garder pour une prochaine fois parce que c'est marrant. Ah ouais. Ces deux méthodes si originales n'ont pas fonctionné. On va donc passer à la troisième méthode. Cédric, troisième méthode. La troisième méthode. Oui. Alors là, c'est la méthode peace. Peace, alors faites l'amour et pas la guerre, donc peace and love, et je vais dire aux familles, ben on n'a qu'à faire l'amour. D'accord. C'est bien noté. Ah, mais t'es grave, attends. Non, mais j'ai rien dit. Oh. Non, mais c'est un spectacle. C'est bizarre, là. Non, mais je croyais que j'entendais la suite. Mais c'est quoi, tu nous fais un one man show? Et toi, Romano? Pourquoi tu ris, là, comme un couillon? Pourquoi tu ris? T'es mort dans le film, ma gueule, putain, c'est grave. T'es mort dans le film, allez, casse-toi ton expression, toi. C'est peace. Wi-Fi, on s'enfile. Ah ouais, attends, c'est les grosses têtes. Ah mais c'est facile, Samy et Karim, là, vous n'avez qu'à le faire le clash. Hein. Eh ouais, car j'ai quand même foutu une sacrée contrainte, hein, Cédric. Ah ouais. Eh ouais. Bon, Romano, ta dernière méthode. Ta dernière méthode, Cédric. Oui. Cédric. Moi, c'est ma femme a ses règles. Il faudrait qu'il y ait pas de pour me dépanner. Pourquoi j'ai déjà fait ça? Tu l'as fait cette semaine. Ah, j'ai déjà fait. Oh là là. Non, mais c'est pas grave. En difficulté? Non. Après avoir si bien réussi ton premier coup de fil. Attends, le voyant, je l'ai fait déjà. Ouais, déjà fait. Bon, je vais faire. Ah ouais, putain, merde. Attends, je commence à être un peu galère. Au bout de ta liste, tu faisais le beau avec ta liste. Attends, mais ma liste est. Tu peux plus arriver, là. Mais tu nous as dit que tu avais 4 300 000 méthodes l'autre jour. Ouais, mais attends. Il en a écrit 10 dans son téléphone. Ah mais vas-y, lance-moi mon appel. Vas-y, j'ai des nouvelles dents. T'as des nouvelles dents? Elles sont en plastique. T'as déjà fait ça? Non, j'ai jamais fait. Ah non, si, pour embrasser, pour voir si ça marche bien. Bah là, ce sera pour lécher, tiens. Bah c'est pareil, ouais, c'est pas très original, dis donc. T'as vu la gueule de la méthode à Cédric? Bon, vas-y, je vais en trouver une autre d'ici là, parce que vu que tout le monde me chie dessus. Allez, c'est parti. On sait pour qui ça roule aujourd'hui. Dernier coup, Stéphane. Stéphane, et après vous allez pouvoir voter. Allez Stéphane. Allô? Non, c'est... Ah oui, c'est toi, oui. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, c'est la femme de Stéphane? Non, c'est Stéphane. C'est Stéphane. Oui. Bah, du coup, on parle bien, toi. Allô? Stéphane? Oui. Stéphane? Oui. Oui, tu vas bien? Oui. Oui, ça a l'air d'aller, ouais, putain. Bah, on peut pas appeler un autre. Non. Bah, vas-y. Bah, attends, ouais, tu les appelles, toi, maintenant. Je crois qu'il est de la ça famille. Ça ressemble à une connerie de Skyrock. Ah, bah tiens, voilà, en plus, il va payer un cadeau, Cédric. Ah, t'es vraiment le couillon du village. Et ouais, Stéphane, comment ça va? Le pire, c'est que je vous reconnais, putain. Ah, tu es vrai? Tu nous as reconnus, bah, je vois bien. C'est Cédric, il essayait de te draguer, c'était super, hein. Viens voir, c'est Skyrock. Bravo, Stéphane. Rien qu'avec ce Skyrock, tu vas gagner un cadeau, toi. Comment? Maintenant, il ne faut plus répondre allô au téléphone pour gagner les cadeaux, il faut répondre Skyrock direct. Hein, Skyrock. Bah voilà, c'est fait. Oui, bah là, bon, tu vas pas gagner 1500 euros quand même. Hein. Non, bon. Mais attends, mais j'ai dit Skyrock, merde. Ah oui, tu l'as dit Skyrock. Ah, tu t'arranges avec Cédric, avec le salaire qu'il a, il peut bien. Ouais, bien sûr. Donc tu vas choisir, en fait, oui, Cédric va te payer un cadeau, tu vas choisir ou un maillot, ou un jeu. Ouais, au choix, ouais. Au choix, comme tu veux, Stéphane. T'habites où, toi, Stéphane?
Moi, je voulais 1500. Ah oui, alors non, malheureusement, je dois t'annoncer qu'on a déjà offert 1500 euros ce soir. C'est Samantha de Saint-Etienne qui a gagné 1500 euros il y a une demi-heure, là. Ouais. On va te donner son numéro, tu vas négocier avec elle, si tu veux. Voilà, c'est pas mal ça. T'es, et t'habites où toi, Stéphane? 59. Dans mon caleçon. Non, eh bien écoute, j'espère qu'il fait bien chaud. C'est un comique aussi. Et qu'il y a de la fourrure, c'est ton signe en faux. Hein. Soirée blague. Bon. Fourrée au poil. Eh bien écoute, au poil, là, très bien. Bon, mais quitte pas Stéphane, et puis on te reprend tout de suite. Bon. Ah là 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 là, ça me fait un peu de... Bon, allez, moi ça y est, moi je fais la méthode de la Saint-Valentin, un peu en avance. Ah non, 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 la semaine prochaine. Bah, qui a dit ça? Bah, moi. Bah, ouais, mais bah, je m'en branle. Saint-Valentin, moi je la fais lundi, la méthode. Bah, ouais, bah tant pis, tu pourras pas parce que je la fais ce soir. Non, non, bah non. Méthode Saint-Valentin pour Romain. Faire Noël aussi, si tu veux. Méthode Saint-Valentin, on y va. Bah, fais Noël, tu feras Noël lundi. C'est parti. Mais j'ai pas l'appel, moi. Bah, si, tu l'as eu, toi. Allô, bonsoir. Bonsoir. C'est la femme à Marc? Oui. Oui, est-ce qu'il serait disponible au téléphone? Qui, Marc? Oui. Oui. Ah, merci. C'est qui? C'est Jean-Louis, là, pareil, un ami à lui. Jean-Louis, tu connais? Jean-Louis qui? Jean-Louis David. David. attendez, je vous le passe. Merci bien. Allô? Ouais, Marc? Oui, c'est qui? Oui, comment vas-tu? C'est Jean-Louis, un ami de ta femme. D'ivoire, je t'explique, là, en début de semaine, c'est la Saint-Valentin, là. Et du coup, tu veux que je rappelle ton numéro? Bah, je peux venir directement chez toi, peut-être. Ouais, c'est ça, oui. Bah, je, bah, allez, je vais venir dans 5 minutes. Ah, merde. Oh, merde. Putain, pas loin, pas loin, pas loin. Ouais, bah, le tout. Pas loin, quoi, tu vas rien du tout. Vous allez voir que l'arbitre est bon. L'arbitre donne un dernier coup de fil. Le tout dernier pour Cédric et Romano. Je n'ai pas de baisage bravo, de pieds. Bravo, bravo. De baiser bravo. Les pieds de l'arbitre. Bravo. Bravo. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Mais vas-y, oui. Vas-y. Donc je vous laisse une dernière chance. Vas-y. Ouais. Ah, il y a plein de messages, Jean-Louis David, trop bon, et elle te le passe en plus. Hein. Ça, je dis, c'est quand même non, mais ça m'a toujours fait halluciner, ça n'est pas elle percute pas. Non, pas du tout. C'est normal. Bon, Jean-Louis David. C'est normal qu'il t'appelle ou quoi? Dernière méthode, vous avez le droit de reprendre une méthode déjà faite. Je te conseille de reprendre le Wi-Fi sans fil, Cédric. Parce que... mais la dernière, j'ai pas eu le temps de la mettre en place. Bon, si tu veux la dernière, alors. C'est quoi la dernière? Bah, c'était la méthode Peace. La méthode Peace. Et Romano, j'aimerais bien que tu reprennes ta méthode du son hauteur. Ouais, parce que c'est celle que je voulais refaire. Les grands esprits se rencontrent. Bon, dernier coup de fil, c'est le tout dernier. Romano a serré une fois, Cédric. Ah, moi, je vais être plus radical. Pas pour l'instant. Tu peux te allô, sauver. Jean-François. Bonne chance. Allô. Allô, Jean-François. Allô. Ouais, Jean-François. Qui est à l'appareil? Ben, je me présente, je m'appelle Michel et je t'appelle la soirée là parce que demain soir, je voulais organiser une petite soirée histoire de faire connaissance. Et. Allô. Oh, malheureusement, le quatrième coup de fil ne va servir à rien. Allô. Cédric, je crois que t'es dans une mauvaise période, dis donc. C'est la pleine lune. Oh, mais c'est impressionnant. Ouais. On est en pleine lune depuis quelques jours, là, ça marche plus. Ouais, ouais. Putain. Bon, Romano. Allez, c'est parti. T'as l'air détendu du zboub. Rien n'est jamais fait. Rien n'est jamais fait, mes amours. Rien n'est fait avant que vous ayez voté. Bon, en tout cas, ça vous a beaucoup fait rire. Hein. Nous aussi. Alors, c'est qui, là? Stéphane. Stéphane. C'est Mister Vent, ce soir, Cédric. Hein. Ah là, ouais, putain, c'est pas mal. Allô? Oui. Oui, bonsoir, c'est la femme à Stéphane? Oui. Oui, il est là, Steph? Oui, attendez, parce qu'il est parti sortir le chien, là. Ah, c'est qui demande, là? C'est Jean-Louis à l'appareil, un ami à lui. Attendez, je vous le passe. Ah, ça y est, il est revenu avec le chien. Tiens, c'est Jean-Louis, je crois. Moi, je l'ai. Oui, allô? Ouais, Stéphane? Oui. Oui, Jean-Louis à l'appareil. Demandez comment va le grand ancien. Comment va le chien? Il a fait un gros caca? Jean-Louis, Je suis un copain de ta femme. Dis donc, en fait, je t'explique, demain j'ai une compétition d'athlétisme, là je fais du saut en hauteur. Et pour m'entraîner ce soir, je serais bienvenu m'occuper de ta femme, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah va te faire enculer, mon. Bah tu veux que je vienne te voir peut-être? Ouais, va te faire enculer. Bah je suis allé à 5 minutes, à la limite tu me le feras en direct. Ouais, allez bon. Bah je viens. Je viens, hein. Ah, 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 putain. Ah non, non, non. Eh bien, je vais lancer. Ah non, les votes. Va bramer l'autre. Ah non, il a pas bramé. Ce sont les cerfs qui brament, Romano. Bah oui, c'est pas un cerf. Oh, on n'est pas loin. Non, Cédric ne brame pas, Romano. Ah, parce qu'il va respecte un petit peu ton adversaire, il ne brame pas. Écoute. Non, ce n'est pas bramé, non. Non, non. Comment on dit pour un cochon? Il grouine. Il grouine. Bon, on y va pour les déclarations. Cédric. Bon, honneur à toi pour les déclarations ce soir. Allez, putain. Combien t'as serré de fois cette semaine? Cette semaine? Bah, trois fois.
Ah, quand ? Bah, deux fois lundi, une fois mercredi. Non, mercredi zéro. Si, si, mercredi, je me suis fait inviter. Par qui ? Bah, que dalle, mercredi, t'as fait de la merde. Bon, mais ta gueule, toi. Bah, bon, mercredi, t'as fait 14%, donc t'aurais serré, ça serait vu quand même. Bon, c'est pas le sujet. On va passer au clash de ce soir. On vit pas dans le passé, man. Ah, on vit dans le futur, ouais. Bien. Alors, c'est bien. Tu veux chanter ta chanson ? Je vais faire ma déclaration. Le mec, il est loin. Allez. Déclaration. Bon, ce soir, la première méthode que j'ai utilisée, je voulais faire un petit cadeau à Romano. Donc, pour ma gentillesse, faites-vous vous aussi surtout un cadeau. Surtout pas d'autres méthodes. Ah, si, si, j'avais d'autres méthodes, gros. J'en ai sorti trois d'un coup. L'autre, t'as galéré, t'as recyclé comme un con. La dernière méthode, t'as galéré. Moi, j'ai rien recyclé du tout, gros. Aussi, j'ai fait la méthode de la Saint-Valentin. Alors, j'interromps immédiatement la déclaration de Cédric. Et je vais mettre un peu d'ordre. Il ne s'agit pas d'un dialogue, monsieur Romano. Non, mais l'autre, il parle sur la merde. Il sort que des mythos. Et bah, c'est pas des mythos. Tu parles sur ma déclaration déjà. Ferme ta gueule. Et Cédric, je voudrais te lire le message de Clasher qui nous dit arrête de nous prendre pour des commanes. Pourquoi ? Bah, parce que. Exprime-toi, Clasher. Alors, c'est parti. La vérité éclatera. Ouais, c'est ça. Cédric, ouais. C'est reparti. Allez, vas-y. Donc ce soir, je suis arrivé avec trois méthodes inédites, jamais faites, moi, contrairement à mon adversaire. Et moi, j'ai voulu faire un petit cadeau à mon adversaire pour la première méthode, pour son anniversaire qui est demain. Donc pour ça, n'hésitez pas vous aussi à me rendre ce beau cadeau que j'ai voulu lui faire et votez pour moi, Cédric, c'est EDRIC. J'espère que c'est le seul cadeau que je vous demande, venez voter pour moi, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Bah quoi, votez pour moi, votez Cédric. J'ai voulu être gentil avec mon adversaire, sois gentil avec moi, votez Cédric. Méfie-toi Cédric, parce que Romano est capable de dire, vous voulez être gentil avec moi, votez Romano. Bah non, votez Cédric, dis, la famille. Je te le dis, ne nous écoute pas. Pour ma gentillesse, votez Cédric, c'est EDRIC. Je le connais, il est capable de le dire. 41759. Votez Cédric, merci, je vous aime très très fort. Voilà pour la déclaration de Cédric. Merci Cédric. Romano, tu veux chanter toi aussi ? Ouais, je vais chanter. Est-ce que tu veux chanter tap 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 ? Non, moi je. Pourquoi non. Tu veux pas chanter tap 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 ? Non, je vais pas voler la chanson magnifique de mon adversaire. Puis je sais pas, je suis un peu trop masculin. Bah, toi, tu te lâches bien comme il faut. Alors ? Il nous faut aussi du truc pas mal sur ta chanson. Alors moi je vais chanter Romano, il faut voter Romano, c'est vendredi soir. Tout le monde peut taper dans les mains. Tapez des mains chez vous. Si vous êtes en voiture, bon, de le faire pour éviter de prendre un mur. Alors. Romano, il faut voter Romano. Romano, il faut voter Romano. Ouais. Romano, il faut voter Romano. Romano, il faut voter Romano. Ouais. Et hop, déclaration. Bonsoir, mes amours. Pour mon anniversaire, ça ferait bien plaisir d'avoir une belle victoire ce soir. Cédric. En plus, bon, je crois qu'il n'y a pas photo. Cédric a sorti trois méthodes Wi-Fi sans fil, les trucs de l'humour. Bah, inédit, gros. Bah, attention, inédit avec un peu d'humour. Je te fais la même réflexion qu'à Romano. Ce n'est pas un dialogue, c'est une déclaration. Bah, il parle de moi, je réponds. Moi, direct, il n'y a pas eu chichi, pas de chacha, comme dirait mon adversaire. Dès le premier coup de fil, je suis invité à faire l'amour à l'homme, à la femme. Et en plus, il y a le petit bonus une bête. Dégueulasse. Eh bien, ce soir, je vous ai proposé des belles méthodes. J'espère que ce sera récompensé. Merci, mes amours, d'avance. Je compte sur vous toutes et vous tous. Je vous aime. C'est mon anniversaire. Soyez gentils avec moi. Votez Romano. 22h25, pile. Vous votez sur le 41 Sky, le skyrock.fm. Dans un instant, les résultats du clash. Qui va gagner ? Qui sera le meilleur ? Qui allez-vous encourager ? Ce soir, tous les votes compteurs. Votez Romano. Cédric, la famille. Romano. Allez, c'est parti. Sly. Guy. Qu'est-ce que tu fais, Romano ? Tu la coupes sur la chaîne. Je suis en train de casser le décor. Tu démontes le studio. Non, parce que la coupe est cachée et en fait j'ai fait tomber la cache. Oh, j'ai tombé la coupe. Alors, donc Cédric, trois méthodes. Trois méthodes inédites, ouais. Rappelle-nous tes méthodes pour ceux qui t'aiment. La première méthode, c'était super. Pour rendre honneur à Romano, donc pour son anniversaire. Pour rendre hommage. Voilà, c'est l'un des deux. Faire honneur plutôt. Voilà, si fais-moi honneur. Ouais, pour faire honneur à son anniversaire, comme j'avais pas de cadeau, je me suis dit, tiens, je vais trouver une petite famille avec qui pourrait faire l'amour, tu vois. Ça pourrait être sympa. Ok. Bah donc écoute, heureusement que j'ai pas compté sur toi parce que oui, j'étais bon pour me branler. La deuxième méthode, c'était la méthode Wi-Fi. La soirée Wi-Fi, petit jeu de mots, Wi-Fi, sans fil, tout le monde sans fil. Après. D'accord, tu fais des jeux de mots, c'est génial. Et comment je fais des jeux de mots, c'est pété. Troisième méthode. Et la troisième méthode, c'est la méthode Peace. La méthode Peace. Tu voulais faire pipi dessus ? Bah non, justement, non. Non. Tu vois, mais c'était un petit jeu de mots Peace, Peace and Love. On se fait l'amour, pour faire l'amour par la guerre. Non, mais c'est vraiment un connard. Et toi, Romano ?
Bah, la première méthode, c'était mon anniversaire. Je voulais que la famille soit à mon cadeau. Bah, c'est le cas. Ah, tu peux me remercier. Parce que j'avais serré. Non, mais gros, tu sais, quand même, quand c'est mon anniversaire. Ah, donc, tu t'allais pas faire ça au début. Allez. Bah, si, j'allais faire ça. Et la deuxième méthode, ça a été je suis un athlète. Je veux faire du saut hauteur. Il faut que je m'entraîne. Et la troisième méthode, c'est la méthode de la Saint-Valentin. Alors, les résultats. Pas et voici avance, qui a gagné le clash de la drague de ce soir. Ouais. Cédric ou Romano? Eh bien, Cédric, ouais. Tu vas être content. Pourquoi je vais être content? Vas-y, dis, je vais gagner. Ah. C'est mieux que l'autre. Ah. Tu vas être content quand tu es en grosse progression, une progression qui te permet même d'atteindre ce soir le bonheur. Puisque Cédric, tu fais 27%. Quoi ? Et Romano, 73%. Oh, je ne suis même pas trop. Oh, mais les branlés que je te mets en ce moment, mon pote. 27-73. C'est quand même hallucinant d'être aussi fort. Je remets la coupe du clasheur. Merci à toi, Romano. Merci. Ta victoire. Merci. Non, c'est pas ma soirée. 27 contre 73, voilà les résultats officiels. Merci. Alors je vais quand même faire une petite déclaration. Merci mes amours. Merci. Ça fait grave plaisir de gagner encore avec un très beau score. 3 clashs cette semaine, 3 victoires. C'est parfait. Eh ben c'est un beau cadeau d'anniversaire, un petit peu en avance que vous me faites. Ça fait bien plaisir. Merci encore. Voilà. Je vous aime. Pour les résultats. Et Cédric, un petit mot, Cédric. Ouais, j'arrive plus. Cette semaine, c'était difficile. Mais même la semaine dernière, putain. La semaine dernière, c'était difficile. C'est la même merde. Pourquoi tu fais un sourire comme ça sur la photo, Romain? Non, mais surtout, il a mis son écharpe en. Bah, je fais des pauses un peu différentes. Sur la tête. Voilà. Donc la photo, elle sera sur le blog, la photo de la victoire. Ouais, quoi, si Momo pense à la mettre, parce qu'il y en a une sur deux qui ne met pas, donc. Je vais vous demander un petit service pour Cédric. Envoyez-lui des méthodes ce week-end. Donne ton adresse mail. Alors c'est cédric@skyrock.com. Non, c'est Cédric. Non, Cédric. Non, Cédric. Non, non, mais ça se prononce Cédric. Ouais, mais si tu mets l'accent, il marche pas, tu ne le jamais. Non, on met pas d'accent dans les mails, il n'y a jamais eu d'accent. Bah justement, donc c'est Cédric. Non, mais ça c'est quand même Cédric, tu vois, mon prénom c'est Cédric. Ah bah non. Comment je m'appelle? Bah tu t'appelles Cédric. Voilà. Mais ton adresse c'est EDRIC. Cédric@skyrock.com. Ah non, mais on va pas écrire, on va pas dire Cédric. Donc c'est Cédric. D'ailleurs, pour être en adéquation dans l'émission, on va maintenant t'appeler désormais Cédric. Non, 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 mais casse-toi. Quoi. Ma mère m'a appelé Cédric, c'est pas pour qu'il m'appelle Cédric. Cédric, dis-nous. Non, ça sera Cédric. Cédric@skyrock.com. Voilà. N'hésitez pas tout le week-end, la famille, quand vous voulez. Je compte sur vous, mes amours. Envoyez des méthodes. Pétées. Non, faites pas des. comme ce soir. Garanti, c'est garanti. Lundi, il l'est fait, ce con. Bah, allez, casse-toi de là, connard. Bon, et tu veux pas de méthode, toi, Romano? Si, moi, je prends les méthodes, mes amours. Envoyez-moi les bonnes. Romano@skyrock.com. La méthode, il a galéré un petit peu pour trouver une troisième méthode. Ouais, mais ça m'a pas empêché de gagner. C'est vrai, il a raison. Il a sorti 3-4 méthodes qu'il avait déjà faites. Bah écoute, je qu'il avait fait lundi. Bah écoute, c'est quand même bien baisé. Ah hein. Ouais, t'as eu de la chatte parce que c'était ouais, mais c'est bien sûr, ça. Mais oui, c'est ça. Bon, à chaque fois de la chatte. Dans un instant, on a qui? Allez, je vous ai promis qu'on aurait Antoine. On va prendre Antoine au téléphone, on dirait du 4.